Bonsoir. Le Cameroun célèbre sa fête nationale le 20 mai prochain. L'événement se tient cette année dans un contexte marqué par la résurgence des revendications identitaires exprimées par les compatriotes des régions anglophones, lesquels soutiennent que leur spécificité culturelle héritée du passé colonial avec la Grande-Bretagne n'est pas respectée. Ce soir, nous aborderons le problème anglophone d'un point de vue juridico-historique. Les engagements pris lors du plébiscite de février 1961, de la conférence de Fumban en juillet de la même année et lors du référendum du 20 mai 1972, ont-ils été respectés? Quelle est la responsabilité de l'ONU dans le problème anglophone? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Glandois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Alors, depuis votre arrivée à la tête donc de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, vous avez entrepris un certain nombre de réformes et la moindre de ces réformes n'est pas le système de publication des résultats qui a subi une profonde amélioration. Aujourd'hui, à SOA, en faculté de sciences juridiques et politiques, on peut avoir ces résultats après 3 jours ou 4 ou une semaine maximum après les examens. Comment avez-vous fait? Jean Bruno, nous avons tout simplement appliqué l'un des principes les plus connus en matière d'organisation du travail, en particulier celui qu'on appelle la division du travail. Au lieu de faire comme autrefois, que les 500 personnes et personnalités engagées dans le processus des examens fassent successivement toutes les opérations, à savoir les examens, la surveillance, les opérations matérielles, les corrections, les saisies informatiques. Nous avons simplement spécialisé les tâches, affecté certaines personnes à certaines tâches précises, et cela dès le début des examens. Cela signifie que ceux qui surveillent ne font que surveiller, ceux qui effectuent les opérations matérielles ne font que ces opérations matérielles, les correcteurs sont là. Et évidemment, cela donne la possibilité de faire un travail à la chaîne, au point que l'étudiant qui finit son épreuve, mettons à 11 h du matin, peut partir et le lendemain, sa copie est corrigée. Parce que immédiatement après les examens, après le dépôt de sa feuille de composition, elle est portée à NB7, comme on appelle là-bas, NB7 pour les opérations matérielles, et après, elle va en correction. De la correction, elle repart à NB7 pour les vérifications d'usage, et ensuite elle va à la cellule informatique. Après la cellule informatique, elle revient à NB7 pour vérifier la conformité de la note Par rapport à ce qui est marqué sur la copie. sur la copie. Alors cela signifie qu'aujourd'hui, il n'est plus besoin d'attendre la fin totale des examens pour commencer les corrections. Non, Pendant que et les examens se déroulent, les corrections les également corrections ont lieu suivent. parce qu'il y a une équipe d'enseignants qui corrige en salle dès le début des examens. En sorte que cette copie vienne trouver des correcteurs prêts à corriger. Alors, Voilà. c'est quand même, Magloire, votre modestie dut-elle en souffrir une quasi-révolution à l'université de Yaoundé 2. On a connu une époque pas très lointaine où on passait les examens, ou alors on commençait le second semestre sans avoir les résultats du premier semestre. Il y a quand même eu une petite révolution de ce côté-là, alors que vous avez quand même pratiquement 26 000 étudiants, sinon plus en ce moment. À peu près
27 000, oui. Autour de là, entre 27 et 28 000. Oui. Nous ne pouvons pas donner un chiffre exact. Tout à fait. Parce que les inscriptions, les désinscriptions et autres, ce jeu-là, mm. fait que les statistiques peuvent bouger. Mais on est autour de 26 000. On est autour de 27 000. 27 000. Mm. 27 000 étudiants. Oui. Alors, entre autres réformes, il y a l'ouverture de deux annexes de la faculté des sciences juridiques et politiques à Ebolova et Bertois. À quoi obéit l'ouverture de ces deux annexes-là, à Bertois et Ebolova? Simplement le souci de décongestionner la faculté des sciences juridiques et politiques, compte tenu du déficit d'infrastructures que nous connaissons. Nous avons pensé et proposé au ministre de l'Enseignement supérieur, qui évidemment a pris l'initiative, j'allais dire aussi le processus en main. Nous avons donc eu la possibilité, grâce à lui, d'ouvrir ces annexes. Il s'agit de décongestionner d'abord la faculté des sciences juridiques et politiques. Il s'agit ensuite de permettre que des enfants suivent des cours en habitant la maison familiale. Vous savez, l'encadrement est ici extrêmement important. Et en même temps, nous contribuons à résoudre un problème concret. Monsieur Jean-Bruno Tagné, savez-vous que dans ce pays, il y a des parents qui ne peuvent pas supporter les frais d'études de leurs enfants à Yaoundé? Ils peuvent encore se débrouiller, comme on dit, à trouver les frais d'inscription, mais supporter le logement, la nutrition à Yaoundé est très lourd. Je vous raconte une petite anecdote. Dernièrement, à Ebolova, oui. un parent est venu me voir. Il ne pouvait pas payer les droits universitaires de son fils. Il est parti donc de son village à peu près 40 km d'Ebolova avec une chèvre. Une chèvre? Oui. Et il me dit, monsieur le doyen, vous pouvez vendre cette chèvre et payer les droits universitaires pour mes enfants. C'est vous dire quelles sont les difficultés oui. que les parents rencontrent au quotidien, l'angoisse de la séparation. J'ai trouvé à Ambam des étudiants, des adolescents de 17 ans qui avaient eu le bac avec mention bien, mais qui ne pouvaient pas aller à l'université parce que leurs parents ne pouvaient pas supporter les frais relatifs à leur séjour à Yaoundé. Alors, les annexes résolvent ces problèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de la création de ces annexes, parce que nous avons un nombre assez important d'étudiants déjà dans les annexes. À Bertois, il y en a 1500. À Ebolova, à peu près 950. Ça veut dire que sans ces annexes, nous aurions eu à Yaoundé au moins 2400 nouveaux étudiants, ce qui aurait contribué à rendre plus pointu, plus aigu les difficultés que nous rencontrons. Alors on voit bien que l'engouement est là, que ce soit à Bertois ou à Ebolova. Excusez-moi, à Bertois ou à Ebolova. Mais est-ce que les infrastructures à ce niveau-là suivent? Oui, à Bertois, nous avons une capacité de 4000 étudiants. Ça veut dire que pour l'instant, nous attendons encore des étudiants. Et à Ebolova, nous en avons pour à peu près 1500, 2000. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ce type de problème. Tout à fait. Alors, et en ce qui concerne le personnel enseignant, est-ce que vous avez suffisamment des enseignants pour pouvoir aller effectivement dans ces annexes pour pouvoir dispenser les cours? Le principe de l'annexe, c'est que les enseignants qui dispensent le cours au campus principal soient ceux-là même qui dispensent le cours dans les annexes. Alors nous faisons la ronde et jusqu'à présent il n'y a pas de difficulté. Cette solution procède du souci d'éviter que l'on considère les annexes comme des sous-facultés. Absolument. Alors nous avons pris ces dispositions. Et le cours qui est fait à Yaoundé est le même à Bertois, est le même à Ebolova. Avec les mêmes enseignants. Avec les mêmes enseignants. Les copies sont toutes corrigées à Yaoundé.
en salle, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de ce point de vue. Alors l'université camerounaise a connu une certaine évolution ces dernières années avec l'introduction du système LMD. Mm-hmm. On parle de professionnalisation des enseignements, mm-hmm. mais on a l'impression qu'on crée toutes sortes de filières qui parfois n'obéissent pas à un besoin réel en termes d'emploi. Est-ce que c'est un constat qui vous parle? Je ne pense pas, parce que des dispositions sont prises pour que les programmes oui. de formation dans le cadre des filières professionnelles mmh. obéissent à un besoin oui. et répondent à une préoccupation exprimée par les milieux de l'emploi. Aujourd'hui, les programmes ont été faits en collaboration avec les milieux sociaux professionnels. Pour ne pas faire de publicité, je ne vais pas en parler ici. Mais j'observe simplement que aujourd'hui, le processus de professionnalisation dans l'enseignement supérieur avance et de manière significative. Pour vous en convaincre, je peux juste évoquer un cas. Allez-y. Le cas d'une banque oui. qui nous a saisis pour nous demander les produits de la faculté des sciences juridiques et politiques, à condition que les étudiants concernés aient moins de 25 ans et aient obtenu une note, une moyenne d'à peu près 13 de moyenne. D'à peu près 13. Oui. Ce que nous avons fait, et aujourd'hui, il y en a à peu près 70 qui sont en formation dans cette banque, toutes filières confondues. C'est vous dire que le processus a été initié. Mmh. Il rencontre évidemment de nombreuses difficultés infrastructurelles, des difficultés relatives également à des questions financières. C'est vrai. Mais il faut bien commencer quelque part. Mmh. Nous avons commencé et le processus avance, à mon sens, normalement. Mmh. Alors, lorsqu'on dit que les universitaires camerounais ne travaillent pas assez, est-ce que c'est une remarque qui vous semble fondée? Elle n'est pas fondée à moitié. Parce qu'on ne peut pas généraliser le cas des universitaires camerounais. Oui. Il y en a qui travaillent énormément. Et je suis bien placé pour le savoir. Évidemment, les critiques ne se fondent que sur certains d'entre eux qui se sont laissés aller, qui ont décroché. Il y en a ici, il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Il y en a partout. Laissons la France et les États-Unis. Il y en a partout. C'est pour dire oui. que tout le monde n'a pas la même capacité de travail. Oui. Tout le monde ne s'astreint pas à la même discipline. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Il y en a qui restent universitaires par conviction. Et qui s'attellent à mener correctement leur travail, oui. font des recherches. Oui. Et il y en a d'autres qui, à un moment donné de l'évolution de leur carrière, décrochent. Ça, c'est un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien. Oui, parce que les universitaires, normalement, publient, font de la recherche, comme vous avez dit, publient des ouvrages, analysent les situations dans leurs environnements de manière objective, scientifique. Mais chez nous, on a le sentiment que les universitaires aujourd'hui sont énormément marqués, partisans. Encore une fois, je ne serai pas totalement d'accord avec vous. Oui. Parce que vous savez, le cadre d'expression de l'universitaire, c'est pas les médias. Oui. Ce sont les revues scientifiques. Oui. Et elles sont par définition des revues qui ne sont pas accessibles au grand public. Oui. Ce qui fait que les publications qui sont faites ne sont pas toujours portées à la connaissance du grand public. Et parce qu'il ne connaît pas ce qui est publié, oui. le public pense qu'il n'y a rien. Qu'on ne fait rien. Oui. Qu'on ne fait rien. Mm. Cela n'est pas vrai. Beaucoup d'enseignants camerounais sont des chercheurs de très haut niveau. Mm. Et d'ailleurs, lorsque nous allons à l'étranger, beaucoup d'entre eux enseignent à l'étranger
ils sont sollicités. Il n'empêche que beaucoup sont également tentés par les sirènes des positions de pouvoir sur le plan politique. Est-ce que ce n'est pas de nature à long terme à fragiliser un peu l'université qui chaque jour se voit vidée de ses meilleurs éléments? Sans vouloir faire insulte à ceux qui sont bien restés. Sûr, bien oui. sûr, c'est une question de choix. Oui. C'est une question d'ambition. Il y en a qui n'ambitionnent que de servir l'université. Il y en a qui ont des ambitions plus élevées qu'on peut comprendre. En tant que citoyen, ils ont le droit de solliciter leur participation à la gestion des affaires publiques à un niveau macro. Ça se comprend. Il y en a d'autres qui sont là. Mais s'il vous plaît, regardons aussi ceux qui restent à l'université. Absolument. Oui. Ne jetons pas seulement l'opprobre sur ceux qui sont partis. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Par conséquent, une fois encore, je dois dire que ma conviction est que l'université, l'universitaire, doit rester universitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord à l'université. Telle est ma conviction. Et si jamais il arrive qu'il s'exprime à un autre niveau, il faut qu'il soit universitaire là-bas aussi. Oui. Pour moi, c'est absolument important. Il ne sert à rien d'aller à un niveau un peu plus élevé pour reprendre les mêmes arguments développés par tout le monde, c'est-à-dire des arguments qui pourraient être développés par monsieur tout le monde. Tout le monde. Oui. Il faudrait qu'en allant là où on va, que l'on se distingue non seulement par la qualité de l'argumentation, la qualité du travail produit et la capacité d'innovation. Mais est-ce que ceux qui cooptent les universitaires sont disposés à entendre le raisonnement scientifique? Parfois, ils veulent aussi entendre ce qui leur fait plaisir, non? Et du coup, les universitaires cèdent à cette tentation-là de plaire. Oui, c'est évident. Mais il appartient aussi à l'université, grâce justement à sa science, oui. de convaincre. Ce n'est pas facile. Oui. J'en conviens. Mais il est important de dire la vérité scientifique. Parce que c'est celle-là qui demeure. La vérité politique est contingente. La vérité sociale est souvent fausse. Mais la vérité scientifique est éternelle. Merci Bagula Ondoa. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, juste le temps de regarder votre portrait qui est notre invité, Etche Omo. Voici l'homme sous la plume de Arnaud Ngefak. Un doyen de faculté, ça roule carrosse. Dernière manœuvre d'une Hyundai dernier cri, débarquement du professeur Magloire Ondoa, tout sapé qui retrouve l'un de ses milieux de vie favoris. Là, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 dont il est le doyen, annexe des boulevards. Chaque minute avec lui, à l'amphi, associe enseignement et détente. Oui. 58 ans, de vie pleine, dont 37 déjà en milieu universitaire. D'abord comme brillantissime étudiant et ensuite comme enseignant passionné. Étudier le pouvoir à travers seulement la Constitution, c'est raconter des choses qui ne sont pas concrètes. C'est un enseignant qui explique beaucoup, qui donne la facilité aux étudiants de bien appréhender le cours. L'étudiant, vous pouvez le remarquer, lorsqu'il fait cours, les amphis sont toujours pleins. Témoin de cette passion, son collègue, le professeur Alfred Gando. Son constat, c'est que les étudiants pour le professeur Magloire Ondoa sont des œufs d'or. C'est l'un des enseignants ici à Soa qui prend le soin de faire ses cours, bien que chargé administrativement, et qui, en ce moment où je vous parle, il est à Ebolova, où il fait ses cours, il va à Bertois. Il fait ses cours et ici, il fait tous ses cours. Donc, c'est vous dire tout l'amour qu'il a pour ses étudiants. Professeur titulaire depuis 2009, couronnement d'un cursus académique agrémenté à chaque franchissement de niveau. Des mentions assez bien et bien crescendo.
pour le cycle doctorat, les mentions très honorables, avec félicitations du jury et parfois propositions pour publication. Bonne prédisposition qui fonde sa clairvoyance et ses impressionnantes prestations et positions actuelles. La résolution du problème en bureau. On doit ma gloire de naissance, un digne fils de la localité des Phoques, région du centre. Sa femme et ses quatre enfants lui sont chers, autant que tous les autres proches qui le côtoient au quotidien. Virginie Ngono, son assistante depuis quelques années, n'a connu que du bien et de la joie avec lui. Légitimité de témoignage. Il sait que les gens sont autour de lui. Il sait les apprécier. Quand c'est bon, quand ce n'est pas bon, il dit non, il se fâche comme tout bon patron. Mais quand il vous a offensé, il sait demander pardon, ce qui n'arrive pas le plus souvent à certains de nos patrons. Mais lui, il est particulier. Il aime rire. Il aime quand les gens rient autour de lui. Vous savez, la vie, elle est tellement difficile que lorsque Dieu vous donne la possibilité de sourire tout le temps, vous en profitez. L'homme aux multiples téléphones. Un téléphone pour ma famille, un téléphone pour mes amis, un téléphone pour ma hiérarchie. Travailleur infatigable, ses œuvres sont à sa dimension intellectuelle. Ses ouvrages font partie des références en matière de droit au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Le plus remarquable, c'est cet ouvrage encyclopédique de 160 000 pages reparti en 250 tonnes, tests et documents du Cameroun, publié en 2013. Le chef-d'œuvre rassemble tout ce que le Cameroun a produit comme loi et règlement de 1815 en 2012. De l'inédit que seuls les génies portent. Et ce, c'est le fruit des sacrifices énormes. Il faut parfois se priver des distractions. J'ai fait très peu de distractions. Je me souviens encore de ce que me disait mon père. Si tu veux réduire l'écart qui te sépare des autres, tu es d'une famille très modeste. Et pour que tu arrives au sommet, il faut travailler quand tout le monde travaille et travailler quand tout le monde ne travaille pas. J'ai donc très peu de distractions, mais quand il m'arrive de me distraire, je regarde un bon film à la télévision, j'écoute une bonne chanson et encore, généralement, j'écoute les chansons au travail. Musique, compagnon de travail, musique, distraction et surtout passion. La deuxième après l'enseignement. D'ailleurs, si Magloire Ondoa n'avait pas été enseignant... Je pense que j'aurais été musicien. C'est, je pense, un lieu d'expression d'un talent assez fort. Les musiciens, pour moi, sont des génies. Pendant 4 années, il s'est frotté à cet univers artistique. De 2004 à 2008, il a été président de la commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective, du droit d'auteur et des droits voisins du ministère de la Culture. Fan de foot, il est également équipe préférée FC Barcelone. Et ce sourire de toujours, le professeur Magloire Ondoa, par ce canal. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Magloire Ondoa, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Alors, nous abordons la deuxième partie de cette émission. Le Cameroun va célébrer le 20 mai prochain sa fête nationale. Est-ce que le choix du 20 mai comme date de fête nationale, c'est un choix qui vous semble pertinent? Oui. Pertinent parce que le 20 mai 1972 représente l'aboutissement d'un très long processus qui commence en réalité depuis 1884. Oui. Lorsque les Allemands entrent au Cameroun, qu'ils partent en 1916, que le Cameroun soit placé sous la protection internationale après avoir été divisé en deux. Oui. Qu'il se retrouve en 1961
dans le cadre d'une fédération et qu'il constitue, décide de se constituer en un État unitaire par le biais du référendum du 20 mai 1972. Pour moi, c'est la date la plus importante de notre histoire. Oui. Alors, il faut dire que jusqu'à présent, le Cameroun a eu 3 dates de célébration de la fête nationale. Il y a d'abord eu le 10 mai, en rapport avec la mise en place de l'Assemblée législative du Cameroun. Après le 10 mai, on a eu le 1er janvier 1960, 1er janvier, l'indépendance du Cameroun français, et la dernière date de fête nationale, 20 mai, donc en référence au 20 mai 1972. Ce qui traduit quand même la particularité du Cameroun, parce qu'en général, dans les pays qui ont une histoire plutôt linéaire ou simple, la date d'indépendance est la date de la fête nationale, dans beaucoup de pays africains. Oui, mais le problème ici, c'est que je suis de ceux qui pensent que le Cameroun n'a pas de date d'indépendance. Notre Cameroun actuel. Oui. Notre Cameroun actuel, peut-être allons-nous y revenir. Oui. Et que, parce qu'il a été constitué par deux entités, initialement ensemble, oui, par la suite séparées, et à nouveau réunies, nous avons la date du 1er janvier 1960, que l'on considère comme étant celle de l'indépendance du Cameroun français. Oui. Et le 1er octobre 1961, parce que l'on oublie souvent de souligner qu'en 1961, le 1er octobre, il y avait deux éléments majeurs. D'abord, l'indépendance du Cameroun britannique, méridional, oui, je préfère l'appeler ainsi, oui, et le rattachement au Cameroun français. Il y avait donc deux éléments dans un. Et ça, c'est absolument important. De sorte que si nous voulons aujourd'hui faire coïncider la date de notre fête nationale avec celle de l'indépendance, nous aurions bien du mal. Oui. Et en tout cas, la date du 1er janvier serait automatiquement disqualifiée. Oui. Parce que ne représentant que, entre guillemets, la date de l'indépendance du Cameroun français. Et par contre, parce que n'engageant pas la partie anglophone. Or, il faut bien que la date, cette date que nous retiendrons comme pour fête nationale, représente un événement important à la fois pour la communauté francophone et la communauté anglophone. On avait donc le choix, soit le 1er octobre 61, à mes yeux, parce que c'est la date de la création de l'État du Cameroun actuel. J'espère que nous y reviendrons. Oui, nous y reviendrons. La date de la création du Cameroun actuel est le 20 mai. Les autorités ont choisi le 20 mai pour des raisons qui leur sont propres, qui sont évidemment défendables, qui sont à mon sens pertinentes, mais nous avions le choix. Et s'il fallait ajouter une autre date à celle-là, j'aurais proposé que ce soit le 1er octobre 1961. Alors, vous parliez tout à l'heure du Cameroun français et du Cameroun britannique. Il faut dire que cette partition du Cameroun date de 1916, cette division provisoire du Cameroun. Du 20 février 1916, le général Dobell, oui, et le général Emmerich pour la France, Dobell pour la Grande-Bretagne, oui, se réunissent à Douala. Et divise le Cameroun en deux. C'est la fin de la domination de l'Allemagne sur le Cameroun. C'est la fin de la domination de l'Allemagne qui vient de perdre la guerre. Absolument. Et la communauté internationale décide de lui retirer, de l'obliger à renoncer à ses possessions coloniales afin de les mettre sous le régime du mandat international, qui est un régime de protection du territoire. Il faut bien qu'on le comprenne. Absolument. Un régime de protection du territoire afin d'éviter que celui-ci ne soit de nouveau colonisé. C'est ça le régime international. Alors, avant donc l'indépendance du Cameroun sous administration française, le Cameroun vit une espèce de statut transitoire qui est celui de l'autonomie. Alors, l'autonomie, expliquez-nous ça, de quoi s'agit-il l'autonomie? Le régime de l'autonomie. Oui, le régime de l'autonomie, c'est un régime de semi-souveraineté. Cela signifie un régime intermédiaire qui précède la souveraineté. Ça veut dire que l'État du Cameroun a déjà des mécanismes d'un État, parce que c'est justement pendant l'autonomie que le territoire du Cameroun français
est devenu État par le biais du décret du 16 avril 1957. Il acquiert ainsi une nationalité. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, je veux dire, c'est un État qui fonctionne sous la tutelle encore de la France, parce que la France, la tutelle demeure celle qui avait été instaurée par l'accord de tutelle du 13 décembre 1946. Donc cet accord de tutelle demeure. Donc c'est encore un État sous tutelle parce que sa souveraineté internationale est exercée par la France. En clair, l'autonomie interne, c'est le régime qui permet au Cameroun, à l'État du Cameroun, de s'occuper lui-même, sous le contrôle de la France, du haut commissaire en particulier, de ses affaires, mais de ne pas s'occuper et qui ne lui permet pas de s'occuper du côté international, de la souveraineté internationale. Voilà à peu près ce qu'on appelle autonomie. Et l'on sait que cette autonomie a connu deux phases. Il y a eu l'autonomie interne simple, qui avait été mise en place par le décret du 16 avril 57, d'une part, et l'autonomie interne élargie, qu'on appelle encore l'autonomie, la pleine autonomie, qui avait été mise en place par l'ordonnance du 30 décembre 1958. Et la période d'autonomie élargie était une période de rapatriement des compétences. Parce que pendant l'autonomie interne, le haut commissaire, le représentant de la France au Cameroun, exerçait encore de nombreuses compétences. Et pendant l'autonomie interne, ces compétences sont progressivement restituées aux autorités camerounaises. Voilà. Alors, dans la marche vers l'indépendance du Cameroun, il y a les Nations Unies qui jouent un rôle très important. Alors, en quoi a consisté la session de l'ONU qui s'est tenue, je crois, en mars 59? Oui, je pense que le Cameroun est l'un des fils de l'ONU. Et s'il y a une institution à l'égard de laquelle nous devrions observer le plus grand respect, c'est l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui nous a fabriqués. L'État du Cameroun est une fabrication de l'ONU. Évidemment, on n'oublie pas l'apport des nationalistes camerounais. Mais ceux-ci n'auraient pu rien faire si l'ONU n'avait pas été à l'avant-garde du combat contre le colonialisme. Et par rapport à la question que vous posez... La session de mars 58. La session de mars 58. De mars 59 qui a lieu en fait du 13 février 59 au 14 mars 59. C'est une session pendant pratiquement un mois. Pendant un mois, de jour comme de nuit, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est penchée sur le problème camerounais. Et pendant cette session, il était question de discuter des problèmes du Cameroun et évidemment de les régler de manière à accélérer le processus d'accession du Cameroun français et britannique à la souveraineté. Seulement, pendant cette session, le problème anglophone, je veux dire la partie anglophone, avait posé des difficultés qui avaient obligé l'ONU à différer son cas pour s'occuper principalement du cas du Cameroun français. Et à l'occasion de cette session camerounaise, l'on sait que deux thèses, deux camps s'affrontaient. D'une part, le camp de l'UPC, qui était soutenu par l'Égypte, le Ghana, l'URSS, l'Albanie, et le camp de Amadou Ahidjo, premier ministre du gouvernement du 18 février 58, comme on aimait bien l'appeler ainsi, et le gouvernement soutenu par la France et les amis de la France. Les deux camps se sont affrontés, j'allais dire, sous l'arbitrage de l'ONU. Alors, vous saluez le rôle joué par l'ONU dans l'indépendance, dans le processus d'indépendance du Cameroun. Pourtant, les nationalistes de l'UPC se sont un peu sentis lâchés par l'ONU. Non, ils ont fait des tombereaux de pétitions aux Nations Unies qui n'ont pas donné grand-chose. Il serait exagéré de dire qu'elles n'ont pas donné grand-chose. Parce que les pétitions, en particulier de l'UPC, ont, j'allais dire, toujours été prises en compte dans le cadre de l'ONU. Mais seulement, il y avait un rapport de force. Peut-être faut-il d'abord rappeler les positions défendues par les uns et les autres.
Oumniobé et l'UPC avaient une thèse bien claire. D'abord, réunification des deux Camerouns et ensuite, indépendance. Organisation des élections générales avant l'indépendance. Oui. C'était des thèses qui, cette thèse était combattue par Amadou Ahidjo, appuyée par la France. Appuyée par la France. Mais quels étaient les ressorts profonds de ces thèses? L'UPC savait quel était le parti politique le mieux implanté. Oui. L'UPC s'inspirait aussi de la position de l'ONU à l'égard du Togo, qui était quasiment dans la même situation Absolument. Que nous. Et surtout des textes. Lorsqu'on regardait bien l'article 76, alinéa B de la Charte des Nations Unies, cet article disait qu'il fallait, l'indépendance devait être accordée après la libre expression des populations concernées. Et l'UPC s'est senti un peu lâché, pour reprendre votre mot, ben oui. parce que sa thèse n'avait pas été retenue, celle de l'organisation préalable d'élections générales. Mais il faut le dire, les statuts, la charte des Nations Unies prévoyait la libre expression des populations concernées, c'est-à-dire le référendum. Oui. Mais le référendum était-il encore pertinent dans le contexte du Cameroun? C'est là le problème, d'abord. Il s'avère que la date de l'indépendance, ou plutôt l'indépendance du Cameroun, avait été en fait déjà annoncée. La situation était donc différente de celle du Togo. Elle était annoncée d'abord par Amadou Ahidjo, immédiatement après son investiture en tant que Premier ministre le 18 février 1958. Lors de sa première allocution à l'Assemblée législative, il avance la date du 1er janvier comme date de l'indépendance. L'Assemblée législative vote même une résolution demandant à la France et aux Nations Unies d'accorder l'indépendance au Cameroun. À partir de là, la question de l'indépendance n'était plus véritablement discutée. Le principe d'accéder, de l'accession à l'indépendance n'était plus discuté. Et par conséquent, l'ONU considérait que l'organisation d'un référendum, encore pour un problème déjà réglé, était devenue inutile. Et c'est ainsi que la question de l'organisation des élections générales a glissé pour devenir l'organisation des élections législatives. Et à partir de là, nous n'étions plus dans le problème, dans l'application de la charte des Nations Unies. Nous étions dans une question de politique intérieure. Oui. Et l'ONU était toujours très prudente quand il s'agissait des questions de politique intérieure. D'où son silence peut-être quand on a interdit, quand l'administration française a interdit l'UPC qui est immédiatement entrée en clandestinité. Oui, en 1955, lorsque l'UPC est interdite, le problème, on n'est pas déjà à la session camerounaise, parce que c'est en 1959. 59, oui. D'accord. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais seulement, lorsque l'UPC est interdite, l'ONU, il faut peut-être préciser ce qu'étaient les pouvoirs de l'ONU. L'ONU était l'organisation qui assurait la tutelle, mais avait donné mandat, j'allais dire, délégation de pouvoir à la France pour assurer cette tutelle sur le Cameroun au nom de l'ONU. L'accompagner à son indépendance. L'accompagner à son indépendance. Et sous le contrôle de l'ONU. Ça veut dire que, techniquement, l'ONU ne pouvait intervenir au Cameroun que par le biais de la France. Or, la France n'était pas très favorable aux thèses défendues par l'UPC. L'UPC, au départ, oui. On verra que par la suite, elle changera, justement sous la pression de l'ONU.
et des autres acteurs internationaux. Alors vous le disiez tout à l'heure, Amadou Ahidjo devient donc premier ministre en 58. Il prend la place de André-Marie Mbida, le tout premier premier ministre camerounais, qui n'aura pas mis beaucoup de temps là. Et dans un de vos écrits, vous parlez d'un coup d'État de Amadou Ahidjo. Oui. Il y a coup d'État, effectivement, à mon sens, au sens juridique du terme. Oui. Parce que là, nous sommes, le coup d'État est fait par l'ordonnance du 1er janvier 1960. Oui. Le jour de la proclamation de l'indépendance, Amadou Ahidjo prend une ordonnance dans laquelle il précise, d'abord c'est assez bizarre qu'un Premier ministre prenne une ordonnance. Dans le domaine du droit, c'est quand même un peu particulier, mais là encore, on peut lui accorder le bénéfice du doute, puisque la loi du 31 octobre 59 lui donnait, en tant que Premier ministre du gouvernement investi, comme on disait le 18 février 58, la possibilité de prendre des ordonnances pour la mise en place des institutions du nouvel État. On peut donc peut-être fermer l'œil là-dessus. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette ordonnance prévoit qu'à compter de sa signature, ordonnance signée par lui, bien sûr, prise par lui seul, qui précise que le Premier ministre devient chef de l'État et chef du pouvoir exécutif. Au point que le Cameroun est devenu l'un des États, peut-être l'un des rares États au monde, à avoir connu un Premier ministre chef de l'État. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'en fait, il occupait une position, la position de Premier ministre. Et le 1er janvier 60, avec l'accession à l'indépendance, le Cameroun était devenu un État et il a pensé qu'il lui fallait absolument à notre pays un président. Et comme c'était lui le premier ministre, il a occupé le fauteuil. Alors l'indépendance du Cameroun est donc du Cameroun sous administration française est acquise. Le prochain chantier est celui de la réunification du Cameroun nouvellement indépendant et de l'autre Cameroun, le Cameroun méridional. C'est donc ce chantier-là d'où les plébiscites qui vont être organisés. Il y a d'abord un premier en 59. Le 7 novembre 59. Bon, il y a d'abord un premier en 59, avant même l'indépendance. Alors celui de 59, c'était quoi le but? On a l'impression que l'administration britannique voulait absolument récupérer ou alors renvoyer une partie du territoire camerounais au Nigeria. D'où ce plébiscite de 59. Oui, pour bien comprendre le plébiscite du 7 novembre 59, il faut savoir que le Cameroun britannique avait été lui-même divisé par la constitution Littleton en 1954. Il y avait donc en fait deux Camerouns britanniques. Le Cameroun septentrional, comme on avait appelé en anglais, on parlait de Northern Cameroun, et le Cameroun méridional qui était le Southern Cameroun. Alors ce Cameroun-là, le Cameroun septentrional, était beaucoup plus attaché au Nigeria que l'autre partie. Par conséquent, lorsque se pose la question de l'indépendance, l'ONU envoie au Cameroun septentrional une mission de visite. C'est comme cela que ça s'appelait, selon le terme technique, pour dire quelle est la situation exacte. Au retour de cette mission, le rapport de cette mission affirmait l'idée selon laquelle tout le Cameroun septentrional était favorable au rattachement au Nigeria. Mais cette thèse avait été discutée et comme un accord où UN n'avait pas convaincu tout le monde, l'ONU décide donc d'organiser un plébiscite pour le Cameroun septentrional seulement. À l'exception du Cameroun méridional. Et ce plébiscite a donné des résultats spectaculaires qui ont démenti le rapport de la mission de visite. Pourquoi? Parce qu'au terme de ces résultats, il y avait 113 000 votants. Et la question était simple, et la question était double. Voulez-vous être indépendant en vous rattachant au Nigeria, ou voulez-vous que ce problème de rattachement au Nigeria soit remis à plus tard? À plus tard, oui. Voilà les deux questions qui étaient posées. Et ils ont choisi la deuxième option. 40 000 ont choisi
le rattachement au Nigeria sur les 113 000. Et 70 000 environ ont choisi de repousser le dossier, le problème à plus tard. Oui. Ce qui, évidemment, allait en contradiction claire avec les rapports de la mission de visite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ONU va décider d'organiser un autre plébiscite les 11 et 12 février 1961. Voilà, justement, le deuxième plébiscite, les 11 et 12 février 1961. Et cette fois, il y a également deux questions adressées aux Camerounais de... Aux deux parties anglophones, deux parties du Cameroun britannique, le Northern Cameroun et le Southern. Parce que dans le premier, c'était uniquement pour le Cameroun septentrional, pour le Northern Cameroun. Alors là, il y a eu un plébiscite commun, avec des questions identiques. Et les deux questions étaient les suivantes. Voulez-vous être indépendant en vous rattachant au Nigeria? Où voulez-vous être indépendant en vous rattachant à la République du Cameroun? Les résultats avaient été également là aussi spectaculaires. Parce que dans la partie septentrionale, c'est-à-dire dans le Northern Cameroun, les résultats étaient les suivants. Il y avait 245 000 qui avaient voté pour le rattachement au Nigeria et 97 000 qui avaient voté pour le rattachement à la République du Cameroun, c'est-à-dire à l'ancien Cameroun français. Et dans le Cameroun méridional, il y avait eu 333 000 votants en faveur du Cameroun, du rattachement au Cameroun, et 97 000 pour le rattachement au Nigeria. Ainsi perçu, si les résultats avaient été donnés globalement, les deux Cameroun, septentrional et méridional, auraient été rattachés à la République du Cameroun. Alors, et c'est pour cela que les résultats ont été contestés par Amadou Ahidjo et même par un certain nombre de leaders anglophones, Fondja, Calais et tous les autres. Tout à fait. Et Ahidjo va donc pour cela constituer une mission diplomatique chargée de sillonner les capitales occidentales afin d'expliquer que les résultats, en particulier au Cameroun septentrional, avaient été quelque peu faussés par l'administration britannique. C'était ça. Et il engage dans une mission diplomatique qui va sillonner toutes les capitales. Il va d'ailleurs faire un discours le 31 mai. Le 31 mai, tout à fait. Il va considérer la date du 1er juin comme une date, comme un jour de deuil national. Il parle de fraude. Tout ça. Alors, est-ce qu'en dehors de ce discours d'Amadou Ahidjo, il y a eu un acte formel en direction des Nations Unies pour contester les résultats? Oui, il y a eu cet acte non seulement à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais de manière encore plus significative devant la Cour internationale de justice. Et c'est d'ailleurs cette affaire qui est déjà célèbre aujourd'hui et que l'on connaît sous le nom de affaire du Cameroun septentrional. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Amadou Ahidjo engage donc un procès devant la Cour internationale de justice contre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce qui est amusant, c'est que il demande que la Cour internationale de justice fasse une déclaration selon laquelle la Grande-Bretagne aurait faussé les résultats au Cameroun septentrional. Alors la Cour internationale de justice lui dit non. Notre fonction n'est pas de faire des déclarations. Notre rôle, c'est trancher les litiges. Et pour qu'il y ait litige, il faut qu'il y ait un différend. Et le différend suppose que vous ayez un intérêt. Quel est l'intérêt du Cameroun dans ce procès? Et je dis, non, moi, je veux juste qu'on déclare que la Grande-Bretagne a triché. Pour parler de manière un peu triviale. Et alors, la Cour internationale lui dit non, ce n'est pas mon rôle. Et la Cour internationale décide d'ailleurs dans une formule qui est elle aussi devenue célèbre en disant c'est une affaire moute, c'est-à-dire une affaire sans objet. Alors, est-ce que les Nations Unies ont joué franc jeu dans le plébiscite des 11 et 12 février 1961. Je pose la question parce que les questions soumises à référendum, il y en avait deux, mais on aurait pu envisager une troisième option. C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez
Une indépendance séparée. Séparée, c'est-à-dire voilà. Leur autonomie propre. Aujourd'hui, on parlerait de sécession. Or, cette question n'a pas été envisagée lors du plébiscite. Absolument. Oui. L'article 76 de la Charte des Nations Unies était clair. Oui. Il y avait des options. Soit l'autonomie, oui. Soit l'indépendance séparée, soit alors le rattachement ou l'association avec la métropole. Voilà. Et les questions qui avaient été posées n'avaient pas fait cas d'une quelconque possibilité pour les Camerounes oui. britanniques d'accéder à une indépendance séparée. Oui. Mais pourquoi en était-il ainsi? C'est parce que l'ONU était convaincue que la création d'un État formé uniquement du Cameroun méridional et du Cameroun septentrional n'aurait pas abouti à une entité étatique viable. Pourquoi? Ben pour de multiples raisons. Ces raisons étaient géographiques, ces raisons étaient économiques, ces raisons étaient surtout politiques. Parce que, évidemment, derrière, il y avait la Grande-Bretagne. N'oublions pas, ne l'oublions jamais. En fait, la Grande-Bretagne avait toujours boudé ce Cameroun britannique. D'abord parce que elle n'avait pu obtenir que 44 000 km² sur les 750 000 que l'Allemagne avait laissé. En plus, elle avait toujours voulu avoir la ville de Douala et le port de Douala, ce qui lui avait été refusé. À partir de là, d'où son obsession à vouloir rattacher ce Cameroun-là au Nigeria. Oui. C'était plus facile. Oui. Et surtout en application de la règle de l'indirect rule, oui. Cela faisait en sorte qu'en fait, la partie septentrionale était beaucoup, et même la partie méridionale, dans une certaine mesure, était beaucoup plus dirigée par les chefs traditionnels nigériens. Alors, il n'empêche quand même, Magloire Ndoa, qu'avant le plébiscite des 11 et 12 février 1961, il y a eu une réunion à Manfé en présence d'un certain nombre de dignitaires anglophones, Foncha, Ndélé, et en présence d'un certain nombre de FON qui envisageaient effectivement la possibilité de demander une sécession, d'être un État autonome. Et je voudrais citer par exemple le FON de Bafout qui dit, et je le cite, « Pour moi, le Cameroun français est le feu et le Nigeria, l'eau. Je suis pour la sécession sans unification. » On peut dire qu'il y avait quand même une frange partie d'anglophones qui voulait un État autonome. Oui, mais vous savez, c'est toujours facile de le dire. Oui. Mais la parole du FON est la parole d'un individu. Il y a eu des élections, je voudrais bien le souligner. Oui. Et j'ai donné les statistiques tout à l'heure, je vais dire les chiffres. Au Cameroun méridional, 330 000 personnes ont voté pour le rattachement au Cameroun français. Évidemment, on ne demande pas l'unanimité. Personne n'a dit. Peut-être qu'ils avaient le choix, ils n'avaient que deux options, c'est-à-dire choisir soit le Cameroun ou le Nigeria. Ils ont préféré le Cameroun. S'il y avait une troisième option, peut-être que... On n'est même pas sûr. Oui. N'oublions pas qu'il y avait également le problème du plébiscite au Cameroun septentrional, où de manière claire, ils avaient voté pour dire on renvoie ça, ils ont botté en touche, comme on dit. Alors, 70 000 personnes sur les 113 000 concernées qui ont botté en touche. Donc, le point de vue du FON est tout à fait respectable. Oui. Mais malheureusement, en matière politique, parce qu'on est là en politique, la décision appartient à la majorité. Oui. Et personne ne doute qu'il y avait à l'époque des autonomistes, si on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire ceux qui préféraient une indépendance séparée. C'est clair, il en existait. Comme il en existait aussi qui était favorable au rattachement au Nigeria. Mais on prenait la majorité. Et l'ONU n'avait pas d'autres critères lui permettant de prendre la décision. Évidemment, et je suis d'accord avec vous, il y a quand même un problème. On aurait pu proposer cette solution. Mais imaginez un peu. Il faut également trouver des circonstances atténuantes à l'ONU. Oui. Le Cameroun méridional, il représentait 800 000 personnes. 800 000 personnes. Et si vous ajoutiez à peu près l'équivalent du Cameroun septentrional, ça faisait 1 600 000 personnes.
Alors, est-ce qu'on peut dire au moins à partir de ces éléments-là que c'est de là que partent ce qu'on peut appeler aujourd'hui le problème anglophone? On peut dire oui et non. Oui. Oui, parce que forcément, beaucoup peuvent considérer qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder au statut d'État séparé. Oui. Et donc se sentent à l'étroit ou préféreraient cet État séparé. Mais en même temps, non. Non pour la simple raison que c'est un choix. Il y a un choix qui est fait par des populations et qui décide de dire nous sommes au Cameroun, nous sommes avec le Cameroun. Il est important de savoir que lors du plébiscite de 59, lors du plébiscite de 61, les cas d'abstention n'étaient pas nombreux. Ah oui. Parce qu'on aurait pu imaginer que les populations des deux Cameroun, insatisfaites d'avoir une option, l'option de l'État, d'un État séparé, ne se prononcent pas. Oui. Or, ce n'était pas le cas. Alors, entre autres arguments qui avaient été évoqués effectivement par Aïdjo et puis Foncha et tous les autres pour contester le résultat des élections dans le Cameroun septentrional, du plébiscite dans le Cameroun septentrional, c'était le fait que les citoyens de cette partie du Cameroun, du Northern Cameroun, avaient été énormément sollicités. Pendant cette période-là, il fallait participer aux élections générales au Nigeria. Il y a eu pas mal de scrutins qui... les autorités camerounaises, Aïdjo, estimaient que c'était trop pour ces seules populations-là de participer à autant d'élections et que cela a pu fausser leur choix. Oui, mais ce n'était pas le plus brillant des arguments avancés par Amadou Aïdjo. Il faut bien se le dire. Ce n'était pas le plus brillant parce que Aïdjo avait une aversion particulière pour les élections. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'organise pas lui-même un référendum pour le Cameroun. Français, on aurait pu également concevoir qu'il demande aux Camerounais voulez-vous accueillir vos frères, mais il ne l'a jamais fait. Il a considéré qu'il était d'accord pour cela et que par conséquent le Cameroun était d'accord. Il y avait une sorte de personnification du pouvoir qui était assez forte chez Amadou Aïdjo, qui faisait en sorte qu'en fait il ne recourait au peuple que vraiment lorsque cela l'arrangeait. Et surtout lorsque il ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est également important. Mais je voudrais bien qu'on m'explique, Bruno Tanier, en quoi la multiplicité, la multiplication des scrutins était un problème, ou alors pouvait contribuer à fausser un résultat. Je ne vois pas très bien la relation. D'accord. Alors, après donc ces plébiscites et puis le rattachement du Southern Cameroun au Cameroun français devenu indépendant le 1er janvier 1960, Aïdjo va maintenant, avec ses partenaires anglophones, mettre en place les bases de l'État fédéral, d'où la conférence de Fumban. Je vous propose qu'on en parle tout à l'heure, professeur, le temps de prendre cette petite pause. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, le professeur Magloire Ondoa, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Donc, après donc ces plébiscites, Amadou Aïdjo et les anglophones vont mettre en place les bases de l'État fédéral, d'où la conférence constitutionnelle de Fumban du 17 au 21 juillet 1961. Oui. Alors, quand on parle de conférence constitutionnelle, je vous ai vu faire une petite grimace. Absolument. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec cette appellation-là. Ah oui, absolument. Personne n'a dit qu'il s'agissait d'une conférence constitutionnelle. Mais on a discuté ben de écoutez, la on va y revenir. Constitution. Tout à fait. Oui. Mais je voudrais d'abord préciser que les résultats du référendum de 61 sont consignés
dans un document, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'on appelle la résolution 1608-15 du 21 avril 1961. Et c'est cette résolution qui demande aux autorités des deux États, Cameroun méridional d'une part, République du Cameroun d'autre part, de urgemment, le mot urgent est utilisé, d'engager des pourparlers, oui, afin de réaliser le vœu des populations du Cameroun méridional, parce que c'était un vœu assez fort. Oui. Ça, cette précision était importante. Maintenant, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence de Fumban. Je vais vous dire que ce n'était pas la dénomination officielle de cette rencontre. Aïdjo a prononcé, c'était une création de la presse, l'agence camerounaise de presse, à Cap, à l'époque, qui appelle cela conférence constitutionnelle. Tous les responsables politiques qui parlaient de ce texte, et en particulier Amadou Aïdjo, parlaient de réunion, de dialogue, de rencontre, mais jamais de conférence. Aïdjo va d'ailleurs prononcer le mot conférence, l'expression conférence constitutionnelle à la fin de la réunion, dans son discours de clôture, c'était le 21 juillet de 1961. Absolument. Cela est important parce que pour le constitutionnaliste que je suis, ça n'était pas une conférence constitutionnelle. Mais si on discutait de la Constitution... Ce n'est pas parce qu'on discute de la Constitution qu'il y a conférence constitutionnelle. Oui. D'ailleurs, le terme de conférence constitutionnelle n'est pas un terme consacré en droit. Oui. On parle d'assemblée constituante. On parle de comité constitutionnel. On parle de convention. Rien de tout cela n'avait été évoqué. Plus encore, peu, en laissant même l'argument ou l'idée de cette dénomination, aucun texte ne l'organisait. Ni une loi, ni un décret, ni rien. C'est le conseil, c'est lors du conseil ministériel de 3 jours ou 4 jours auparavant que Amadou Aïdjo annonce qu'il y a une rencontre à laquelle il va participer autour du roi Seydou de Fumban avec la délégation anglophone. Ça, c'est absolument important. Absolument important. C'est même fondamental. Et qu'est-ce que l'on constate? D'abord, ce n'est pas organisé. C'est une réunion informelle. Au plan du droit, on ne peut pas démontrer le contraire. C'est une réunion informelle au cours de laquelle, et j'allais même dire une réunion informelle parmi d'autres. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la réunion de Manfé, c'est vrai, ils s'étaient déjà rencontrés, Amadou Aïdjo, John Goufoncha, Emmanuel Ndélé, Ngom Joa, Tandin Mouna, ils s'étaient rencontrés à Fumban, et je veux dire à Manfé, oui. Ils se sont rencontrés à Boya plusieurs fois, ils se sont rencontrés à Yaoundé plusieurs fois, Foncha et Amadou Aïdjo se sont rencontrés de nombreuses fois et toujours autour du représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Oui. Il y a même eu une réunion avant ça à Bamenda où toute la délégation anglophone, où tous les leaders du Cameroun méridional s'étaient retrouvés autour du représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'au plan du droit, Fumban, c'était bien, mais ça n'était pas du droit. Oui, mais au cours de cette rencontre, appelons ça rencontre... Je préfère réunion. Au cours de cette réunion, on a quand même discuté de la future constitution fédérale. Il y a eu des propositions, parce que la partie anglophone a été un peu surprise au cours de cette réunion que le texte constitutionnel soit présenté par Amadou Aïdjo. Beaucoup ne l'avaient pas. Par contre, Foncha, lui, il avait déjà eu le texte de la part de Aïdjo, mais il ne l'avait pas présenté aux autres. Je dirais que ce n'est pas totalement exact. Mais s'il découvre le texte là-bas, qu'avait-il fait à Manfé? Qu'avait-il fait à Bamenda? Qu'avait-il fait avec Aïdjo plusieurs fois?
Non, c'est surréaliste de le penser. Mmh. En réalité, il y avait des positions divergentes, personne ne peut en douter. Oui. Mais il y avait également un texte consensuel qui avait été, qui avait constitué la première mouture du document qui avait été présenté à Foumban. Oui. Je vais même aller plus loin. Allez-y. Pour vous dire que certains responsables anglophones, je pense à Emmanuel Ndélé, oui, qui pendant longtemps, avec son KPP, Cameroon People's Party, avait discuté, avait été favorable au rattachement au Nigeria. Oui. Il était pro-nigérien. Il était pro-nigérien. Oui. Il s'était reconverti. Il a assisté à la réunion de Foumban. Mm. Il a même proposé que le Cameroun, que l'union des deux Cameroun ne se fasse pas sous la forme d'une fédération. Et qu'on l'on aille immédiatement à la forme unitaire. Et de ce point de vue, il avait été visionnaire. Mm. Parce qu'il disait, cette fédération-là a tous les ingrédients d'une fédération qui posera problème. Mm. Oui. Oui. Alors, on sort donc de cette conférence de Foumban avec un texte constitutionnel, un poste de vice-président qui va revenir plus tard à Foncha, à Aïdjo étant le président de la République. Et, mais Aïdjo, visiblement, est plus avancé sur le dossier que ses compatriotes anglophones. Aïdjo, est-ce qu'on peut dire qu'il a piégé les anglophones? Ben, je vais répondre, je vais d'abord donner une réponse cynique. Oui. Même s'il l'a piégé, c'était de la politique. Oui. On était là dans la politique. Et il est important de le dire. Chacun venait avec ses arguments. Et il n'est pas exact de penser que Amadou Aïdjo était venu pour faire la cour aux anglophones. Non. Ce n'était pas possible puisque la résolution 1608-15 avait été prise depuis le 21 avril 61. Le référendum avait eu lieu, il n'y avait pas de possibilité de retour en arrière. On était d'une certaine façon condamnés à vivre ensemble à partir depuis le référendum et cette résolution. Mmh. Ça, c'était important à dire. Oui. Il était également important de souligner, que lorsque John Bufoncha arrive à la négociation, il est affaibli. Pas par Amadou Aïdjo, mais par son camp, parce qu'il vient de gagner les élections législatives de janvier 59, oui, il a eu avec 12, une différence de deux voix seulement. Deux voix. Il a 14 sièges, oui. Emmanuel Ndélé en a 12. 12, oui, oui. Donc il a une majorité fragile. Oui. À cela, il faut ajouter qu'Amadou Aïdjo fait ressortir des arguments sur la base des statistiques de l'ONU. Ça, c'est important à savoir. Il dit, Cameroun méridional, 840 000 habitants. Cameroun, République du Cameroun, 3 600 000 habitants. Au plan économique, les exportations de la Grande-Bretagne, et j'allais dire du Cameroun méridional, c'est 18,9 millions de dollars. Soit un dixième des exportations du Cameroun, de la République du Cameroun. Il va plus loin. Il dit, en termes de budget, le budget du Cameroun méridional, c'est 5 700 000 dollars. Un sixième du budget du Cameroun, de la République du Cameroun. Il avance qu'en termes de nombre de routes, le Cameroun méridional, c'est 972 km de routes classées. Un sixième du Cameroun, de la République du Cameroun. En termes de lits à l'hôpital, il dit lit par hôpital, c'est un lit pour 700 habitants du Cameroun méridional, alors qu'au Cameroun francophone, c'est un lit pour 300 habitants. Les forces économiques étaient absolument déséquilibrées. Et tout cela rentrait dans la balance. Parce qu'il s'agit d'une négociation politique. On ne peut pas faire violence à l'une des parties de sortir tel ou tel argument. C'est pour dire qu'à eux, je leur dis, voilà les arguments. Nous sommes prêts à vous accueillir, mais soyez un peu modérés. Oui.
Et il continue. Et lorsque les négociations continuent, on dit oui, j'ai appris, hein, ça c'est en parenthèse, oui. On dit qu'il y a eu une entente secrète qui prescrivait une permutation au sommet de l'État. C'est-à-dire si le président de la République est francophone, le vice-président est anglophone. Est anglophone. Et vice-versa. C'est une légende. Ce n'est écrit nulle part. Parce que vous pensez bien qu'on aurait sorti ce bout de papier s'il avait existé. Oui. En plus, à supposer même qu'il avait existé, quelle serait la force d'un tel arrangement devant la loi constitutionnelle du 1er septembre 61 oui. Quelle serait la force d'un tel arrangement devant la constitution du 2 juin 1972 qui pose des principes démocratiques assez clairs, même s'ils n'étaient pas appliqués? Que vaudrait un tel arrangement devant la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996? Rien. C'est pour dire qu'à supposer même, à supposer que cet arrangement avait eu lieu, il serait caduque aujourd'hui parce qu'il est forcément, et j'allais même dire, proprement antidémocratique. On ne peut pas imaginer le spectacle. Qu'on dise cette année, c'est un président anglophone. Et après, ce sera un président francophone. Comment les francophones iraient-ils voter pour un président anglophone? Et comment les anglophones voteraient-ils pour un président qui ne peut être que francophone? Non, ça, ce sont les ingrédients. Ce sont des choses qui ne peuvent pas, à mon sens, être envisagées. D'accord. Alors, Aïdjo réalise donc le coup parfait en 72, le 20 mai, lorsqu'il réalise l'unification, cette fois-là, le référendum du 20 mai 1972. Et dans la foulée, il supprime le poste de vice-président, le poste de premier ministre. Il a violé les ententes quand même. Oui, mais... même si ce n'était pas consigné dans un texte, vous pensez quand même que les anglophones n'ont pas dû être contents de perdre le poste de vice-président. Ils devaient se contenter désormais de celui du président de l'Assemblée nationale qui devient successeur constitutionnel du président de la République. Non. Moi, je ne regarde pas le problème sous cet angle. Lorsque la loi constitutionnelle du 1er septembre 61 est édictée, elle prévoit une chose simple. Le président de la République du Cameroun devient, et c'est écrit, président de la République fédérale. Le premier ministre du Cameroun méridional devient le vice-président de la République. C'est important. Et il faut souligner que John Goufoncha, pendant longtemps, a d'ailleurs cumulé cette fonction de vice-président avec celle de premier ministre du Cameroun méridional. Absolument. Ça, c'est bon à souligner. Mais maintenant... Là, nous sommes dans le cadre de la fédération. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, selon la loi constitutionnelle de 61, en cas d'empêchement du président de la République fédérale, c'est le premier ministre qui... Et je vais dire le vice-président... Qui assure l'intérim. Très bien. Mais quel est... En réalité, par rapport à ce problème de la succession, en cas d'empêchement, il n'y avait eu aucun changement en 72, puisque le président de l'Assemblée nationale, dans la constitution primitive de 1972, était celui qui assurait l'intérim en cas d'empêchement définitif du président. Et ce président de l'Assemblée nationale, c'était qui? C'était un anglophone. Donc, en fait... Même en supprimant la fonction de vice-président, Aïdjo avait préservé la possibilité pour un anglophone d'assurer l'intérim à la présidence. Cette disposition ne disparaîtra qu'en 1979. Lorsque le premier ministre devient le dauphin constitutionnel. C'est ce qui permet au président Biya de... D'accéder à la magistrature. Bon. Alors, et donc, l'État unitaire est donc proclamé en 72. Alors, 45 ans aujourd'hui, après la proclamation de l'État unitaire, comment peut-on expliquer qu'une partie du Cameroun, en l'occurrence la partie anglophone du Cameroun, se considère toujours marginalisée? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, non?
Oui, en tout cas, rien n'est parfait. Ça, je comprends bien cela. Mais vous savez, que certains pensent qu'ils ont des problèmes est tout à fait normal. Oui. Mais que qu'ils pensent que ces problèmes sont liés à leur appartenance linguistique me pose problème. Pas forcément linguistique ou communautaire ou régional. Oui. Ça me pose problème, en oui. particulier lorsque c'est linguistique. Oui. Quelqu'un dans ce plateau disait que l'anglais n'appartient pas aux anglophones. Mm. Et je suis d'accord avec lui. C'est le professeur Abois. Le professeur Abois. Mm. Et il avait absolument raison. L'anglais et le français font partie de notre patrimoine commun aux francophones et aux anglophones. Il faudrait que l'on apprenne à régler les problèmes sur la base de cette considération. Et en sachant que les problèmes ne peuvent être résolus qu'en tenant compte de ce critère principal, fondamental, j'allais même dire quasi exclusif d'unité nationale. Pour ma part, les dispositions ont été prises pour que l'union se fasse. Oui. Au niveau de la langue, l'égalité est parfaite. Je dis bien l'égalité juridique. Oui, l'égalité a été proclamée dans la Constitution de 61 déjà. Absolument. Septembre 72. Égalité entre le français et l'anglais. On est bien d'accord. Mais dans les faits. Mais ça, c'est l'égalité juridique. Oui. Oui. Mais dans les faits, oui. il faut tenir compte de ce que le fait que le français soit plus répandu oui. ne signifie pas qu'on a marginalisé l'anglais. C'est normal que lorsque l'anglais est parlé initialement par un quart de la population, qu'on ait l'impression qu'il y a beaucoup plus de français que d'anglais. Je voudrais bien que l'on s'entende là-dessus. Absolument. Le français est parlé par les trois quarts de la population camerounaise et l'anglais par un quart. Donc, normalement, on devrait voir, entendre beaucoup plus de français oui. que d'anglais. Oui. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier que la Constitution, depuis 1961, oui. a toujours précisé que les lois, la législation applicable dans les États fédérés, c'est-à-dire au Cameroun occidental, c'est-à-dire l'ancien Cameroun méridional, et au Cameroun oriental, c'est-à-dire au Cameroun français, demeure applicable tant que elle n'a pas été abrogée. Oui. Cette disposition existe en 61. Elle existe en 72 dans la constitution primitive. Oui. Elle existe encore aujourd'hui dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 96, article 68. Voilà un autre aspect important. Je continue. Pendant longtemps, les anglophones ont bénéficié de l'équilibre régional. On n'a pas souvent souligné cela. Et pourtant, c'est une réalité. Alors, au vu de tous ces aspects, si j'ajoute encore des épiphénomènes, hein, comme par exemple à l'université, on a, il y a 8 universités, 2 anglophones et une moitié, parce que Yaoundé 2, c'est une université bilingue. Bilingue, oui. Donc ça ferait 2 universités et demie. Il y a donc un effort qui a été fait pour que la cohabitation entre les communautés anglophones et francophones ait une réalité. Mais je suis d'accord oui. de penser qu'on aurait pu faire davantage. Notamment, s'il faut prendre un exemple, hein, en faisant en sorte qu'on passe de cet état unitaire avec 2 systèmes de droit, oui. c'est une... Hérésie, oui. Absolument. Comment peut-on parler d'état unitaire avec deux systèmes de droit différents? Parce que, ne l'oublions pas. 2 systèmes éducatifs différents également. Ne l'oublions pas, Bruno Tagnier, un état, c'est un auteur qui avait dit, un état c'est d'abord un ordre juridique. Oui. Alors lorsque vous avez un état,
avec deux systèmes de droit, il y a problème. Soit on choisit un et on applique à tout le monde, soit on crée un système de droit, non pas un système de droit constitué des deux systèmes mélangés. Mélangés, pour en faire un seul. Pour en faire un seul. Et c'est ce que nous n'avons pas été capables de faire depuis 1961. Oui, nous n'avons pas été capables de le faire. Et on en paye le prix aujourd'hui. Là. On en paye le prix aujourd'hui parce que pour moi, et il n'est pas trop tard. Oui. Disons que l'idée existait. Lorsqu'on regarde bien les dispositions de cet article, dit, tant qu'elle n'a pas été abrogée, il y a donc un mouvement d'unification du droit qui est envisagé à travers les abrogations. Et lorsque vous regardez par exemple le code de procédure pénale, il intègre l'habeas corpus, qui n'a rien à voir avec le système de droit d'inspiration française. Donc il y a quand même cette idée. Mais ce que je pense qu'on aurait pu faire, et qu'on doit même faire, et qu'on sera obligé de faire, Jean-Bruno Tagnier, obligé, on ne passera pas en dehors de cette solution. Créer un comité de codification, constitué de juristes de toutes les tendances, qui vont faire un état du droit applicable à gauche, anglophone et francophone, et en faire une synthèse. Oui. C'est la solution, on ne passera pas, on n'ira pas, on ne fera pas autrement. Il faut éviter ici de prendre des solutions, de préconiser des solutions qui peuvent à terme nourrir la séparation. Mais oui, justement, parce que parmi les solutions qui ont été envisagées jusqu'à présent, on a décidé par exemple de créer une section de la Common Law à l'ENAM, où on va former, j'imagine, des magistrats qui vont servir dans les parties anglophones. Mais à un moment donné, on risque d'avoir plus de magistrats que de justiciables. Hein. Où est-ce qu'ils vont travailler tous ces magistrats qu'on va former chaque année? À long terme, ça va poser problème aussi. Absolument. Ce que je vais dire par rapport à cette solution, c'est que elle est juridiquement, elle est légale. Oui. Cela signifie que le gouvernement, en optant pour cette solution, a choisi la solution du droit. Parce que nous venons d'en parler tout à l'heure. L'article 68 de la loi constitutionnelle de 96 laisse encore applicable l'ancien droit du Cameroun occidental, comme on l'appelait à l'époque de la fédération, qui était en réalité le droit de l'ex-Cameroun méridional, et qui est un mélange à la fois de droit d'origine, d'inspiration anglo-saxonne, et nigérian. Il faut le dire. Donc ce droit existe et dont la solution que le gouvernement préconise est celle qui est conforme à cette solution. Mais maintenant, nous devons aller au-delà. Il faut regarder plus loin. Il faut regarder plus loin. Et c'est pour cela qu'à mon avis, lorsqu'on veut concilier deux éléments fondamentaux qui doivent fournir les bases à la solution du problème anglophone, ces éléments doivent être connus. Premier élément, la préservation, coûte que coûte, de l'unité nationale. Parce que moi, Camerounais, j'ai besoin de mes frères anglophones. Oui. J'y ai des amis. Je suis habitué à vivre avec eux. Je ne comprends pas pour... Je ne comprendrai pas qu'ils ne soient pas là. Je suppose que la même chose est valable pour eux. Donc, la préservation de l'unité nationale. Et surtout, l'employabilité. J'enlève surtout. Parce que pour moi, l'unité nationale passe avant. Unité nationale, employabilité. Cela signifie que les solutions que nous devons proposer doivent respecter, ne doivent pas aller à l'encontre de l'unité nationale et doivent permettre que les jeunes Camerounais formés à cette occasion aient la possibilité de s'insérer dans la société. Et vous avez raison de dire, Bruno Tagnier, que la création d'une section à l'ENAM, anglophone, c'est bien. Parce que c'est conforme au droit. Mais à un moment donné, on pourrait créer des bantoustans. Lorsqu'ils auraient terminé, lorsque la formation est terminée, il faut qu'ils soient capables de travailler. À la fois dans la zone francophone et dans la zone anglophone. Et si nous n'arrivons pas à trouver une solution qui permette la circulation entre les deux zones,
alors nous aurons échoué. Qu'un anglophone soit à l'aise dans les juridictions, absolument, quel que soit l'endroit où il se retrouve. Quel que soit l'endroit où il se retrouve. Idem également pour un francophone. Pour un francophone. Mm. Et ça, ça doit être fait. Mm. Et c'est pour cela que je précise encore que la solution, c'est la codification. Des grands pays l'ont fait. La France l'a fait, a même un comité permanent qui a travaillé pendant plus de 10 ans pour codifier son droit, elle qui n'avait pas les mêmes problèmes que nous. Oui. Il est donc essentiel que nous mettions en place ce comité, qu'il commence à travailler afin que, dans les années à venir, la question du droit, droit à appliquer, ne se pose plus. Parce que derrière tout ça, il y a aussi le fait, Bruno Tanier, que la reconversion des esprits est toujours compliquée. Oui, c'est un peu dur. Hein? Oui. Il n'y a pas, excusez-moi, hein, je vais être un peu cru, brutal, il y a un problème de reconversion aussi. Certains juristes formés à l'école française s'enferment dans la facilité de leur formation et ne conçoivent pas qu'ils apprennent une discipline venue du droit anglo-saxon. Et inversement, certains juristes anglo-saxons éprouvent des difficultés à s'adapter au droit d'inspiration française. Or, nous devons dépasser cela. Quand on est juriste, il y a des principes qui sont communs à tous les juristes. Maintenant, le droit substantiel, la matière peut être différente, mais l'esprit doit être le même. Et c'est cet esprit que nous devons inculquer, nous devons mettre en place à travers le comité de codification. Alors, lorsque Piet Konings dit que le problème anglophone montre l'incapacité de l'État camerounais postcolonial à construire un véritable État-nation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, je pense qu'il est excessif. Oui. Je pense qu'il est excessif parce que les nations européennes, pour la plupart, se sont construites au 19e siècle. Oui. Sur la base du principe des nationalités. On parle de la Belgique, oui, on parle de la Suisse. Mais, évidemment, ce sont des États multinationaux. La Belgique. Oui. Vous avez les Flamands, les ceci et les cela, les francophones, ainsi de suite. Je me dis qu'il a raison dans la mesure où je pense que des actes plus forts auraient pu être posés dans le sens de l'intégration à mettre en œuvre entre les deux communautés. Bien. Mais il a tort aussi, oui, de le penser parce que quand même, ce n'est pas beaucoup, 45 ans pour une nation. Hein. C'est 61. De 61 à 2017, ça fait combien d'années? Peut-être 56 ans. Oui. Ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait une nation. Parce qu'il faut d'abord qu'on sache ce qu'on appelle la nation. Et je ne voudrais pas penser qu'il a adopté la définition de la nation qui est la plus contestée, à savoir ce qu'on a appelé la conception objective, oui, qui consiste à penser qu'il y a nation quand il y a communauté de langue, communauté de race ou communauté de religion. On n'en est pas là. La nation, c'est un vouloir vivre collectif. Ce sont des souvenirs communs, ce qu'on appelle la conception subjective, c'est-à-dire la conception française. Et moi, je me situe dans la perspective de cette conception française de la nation. Peu importe qu'on soit de langue différente, parce que si l'on va dans sa logique, oui, le Cameroun ne sera jamais une nation, parce qu'aujourd'hui, on parle des problèmes anglophones et francophones. Mais attendez, il y a 299 tribus dans ce pays, oui, qui parlent parfois des langues différentes. Ça veut dire que dans ce qu'ils pensent... Une nation est-elle envisageable dans ce cas-là? Ah, bien sûr, oui. Justement grâce au vouloir vivre collectif qui est pour ma part le critère de la nation. Alors on tire vers la fin de cette émission malheureusement. Alors pendant ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler le problème anglophone, il y a eu des discussions sur la forme de l'État. Certains ont pensé qu'il fallait revenir au fédéralisme. Alors techniquement pour vous aujourd'hui, la constitution camerounaise proclame un État unitaire décentralisé. Alors le fédéralisme, pour vous, c'est une option envisageable? Techniquement, là je parle... Techniquement, je vais vous dire, c'est une perspective toujours envisageable, hein, parce que les solutions de droit obéissent à des critères qui peuvent parfois être politiques. Oui. Mais ce que je veux dire,
c'est que la solution fédérale est certainement la solution qui permet une plus grande respiration du régime politique camerounais. Mais c'est la solution qu'il ne faut pas adopter. Pourquoi ? D'abord, pour des raisons financières. Vous savez, lorsqu'en 1972, Amadou Ahidjo décide de créer le référendum pour l'État unitaire. Oui. Il faut bien lire son discours à l'Assemblée nationale le 8 mai 1972. L'État fédéral, ça suppose trois gouvernements. Le gouvernement du Cameroun occidental, du Cameroun anglophone, le gouvernement du Cameroun francophone, plus le gouvernement de l'État fédéral superposé. Trois constitutions. Trois pouvoirs exécutifs. Tout est en trois. Trois administrations. Si nous pensons le bien de ce pays, le fait de créer un État fédéral ne va pas apporter des routes. Ce n'est pas parce qu'on aura fait un État fédéral qu'on aura plus de routes. Oui, mais l'extrême centralisation des choses jusqu'à présent a montré ses limites. Oui, c'est pour cela que pour ma part, dans le contexte du Cameroun, la solution qui est envisagée actuellement, si elle est entièrement mise en œuvre, répond à ce problème. C'est-à-dire une véritable État unitaire régionalisé. Oui. Je ne parle pas de décentraliser parce que la région est une décentralisation. Oui. La fédération est une décentralisation. C'est la forme la plus avancée de la décentralisation. Oui. Et il y a aussi la commune qui est une décentralisation. C'est pour ça que je préfère parler en termes techniques de régionalisme constitutionnel. C'est-à-dire par la création des régions. Oui. Qui sont des unités territoriales de développement économique et social, ayant des pouvoirs définis par la Constitution et gouvernés par des responsables élus par ces populations, à savoir le président du Conseil régional, et le Conseil régional. Si nous allons vers cette solution, nous avons un État qui respire. Oui. Parce qu'il y a distribution du pouvoir, il y a décentralisation du pouvoir et donc libération des énergies en vue du développement. Ça veut dire concrètement que pour ma part, très rapidement, l'émission est terminée. Au lieu d'aller vers un fédéralisme onéreux, oui. au lieu de rester dans un État unitaire centralisé, nous avons la solution dans l'État régional, c'est-à-dire dans l'État autonomique, c'est-à-dire encore dans le régionalisme constitutionnel, à condition de le mettre en œuvre. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette dernière question, Magloa Ondoa, sur le Conseil constitutionnel prévu par la Constitution du 18 janvier 1996 et qui jusqu'à présent n'a pas encore été mise en place. Alors est-ce que, très rapidement je vous prie, est-ce que le Conseil constitutionnel dans l'architecture institutionnelle du Cameroun, c'est une institution qui est vraiment importante? Oui. On en a besoin. On en a besoin, mais je veux dire que quand on dit qu'il n'y a pas de Conseil constitutionnel, c'est pas tout à fait exact. Nous n'avons pas un organe appelé Conseil constitutionnel, mais la fonction de la juridiction constitutionnelle est exercée. La nuance est importante, Bruno Tagné. Donc c'est une institution qui a toute sa place aujourd'hui. Elle a toute sa place, il est important qu'elle fonctionne effectivement. Et si on en avait eu le temps, on aurait pu en parler, parce que c'est aujourd'hui l'élément central de toute démocratie, parce qu'on a évolué de la démocratie majoritaire à la démocratie constitutionnelle au sein de laquelle le Conseil constitutionnel joue un rôle de régulateur. Oui. Si vous me donnez une minute, j'ajoute très rapidement. J'ajoute que la majorité, ce n'est pas la vérité. Et c'est ça le principe. Parce que, comme le disait un député français, Léniel, un député français de Bouches-du-Rhône qui disait à un de ses collègues socialistes à l'époque où la droite était triomphante, il disait « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire.
Parce que dans la démocratie majoritaire, c'est la majorité qui l'emporte. Alors qu'avec la démocratie constitutionnelle, cette dictature de la majorité est contrôlée et soumise au respect de la Constitution grâce au Conseil constitutionnel. Toute dernière question en 10 secondes, Magloire Onoa, sur le Conseil constitutionnel. On a l'impression que le constitutionnaliste camerounais a lui-même tué le Conseil constitutionnel en faisant que ses membres soient nommés pour un mandat de 9 ans. Oh, mais c'est pas là la chose la plus grave. L'inamovibilité aurait été une bonne chose. Non. Pour ma part, c'est pas là la chose la plus grave. Oui. C'est que le Conseil constitutionnel a été anesthésié. Voilà. Il a été anesthésié par quoi? Par exemple, lorsqu'on dit on a choisi le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, qui ne peut être ouvert qu'au président, président de l'Assemblée nationale, Sénat, et puis 60 députés, 60 sénateurs. En France, c'est la même disposition, même si elle a évolué. Oui. Les 60 députés, c'est parce qu'il y en a à peu près, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Chez nous, il y en a 180. Oui. Or, ce sont les députés de l'opposition qui saisissent en général le Conseil constitutionnel. Donc là, c'est mort. Là, vous voyez que nous n'avons même pas déjà à l'Assemblée nationale 60 députés de l'opposition. Donc, ça veut dire que... On en reste là, professeur. Juste le temps de vous présenter quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission et permettre également à nos téléspectateurs de poursuivre la réflexion. Il y a cet ouvrage de quelqu'un que vous connaissez certainement, Pascal Boniface, Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges. C'est un livre que j'adore. Ah oui. Le titre, il est violent. Il est vraiment provocateur. Oui, il est provocateur et le livre lui-même, il est magnifique. Alors, il y a cet autre livre, Cameroun, état des lieux et perspectives d'avenir, une nouvelle vision du futur, Bernard Pwepi. C'est un livre qui parle de l'histoire du Cameroun. Dans cet ouvrage, il parle également du problème anglophone. Le professeur Daniel Abois. Bien sûr, un éminent historien. Voilà, il était sur ce plateau un peu avant vous. André-Marine Bida, premier ministre camerounais. Excellent ouvrage, je l'ai lu et relu. Voilà, très bon livre, nous l'avons reçu ici, c'est la deuxième fois que nous présentons ce livre. Ce livre également, nous l'avons déjà présenté, un de vos collègues, Ila Boya, Cameroun 1884-1985, 100 ans d'histoire. 100 ans d'histoire, c'est notre ami Julius Ngor. Julius Ngor, voilà. Brillant ouvrage également. Oui, je l'ai eu au téléphone il y a quelques temps, je négociais sa présence dans cette émission, ça n'a pas marché. Bon, ce sera pour une autre fois. Voilà, il y a ce pavé, c'est énorme, la lettre de la réunification au peuple camerounais, historique du cinquantenaire 1961. C'est un document qui a été produit par les services de la présidence de la République lors de la célébration des cinquantenaires. Voilà, et dirigé par Oswald Baboké. Voilà, c'est très intéressant. Pendant cette émission, vous avez dû voir défiler un certain nombre de photos. C'est là-dedans que nous avons tiré. Il y a des discours, par exemple, le discours de clôture de la conférence de Fumban, d'Amadou Ahidjo, son adresse à la République lorsque le Cameroun septentrional s'est rattaché au Nigeria. Donc c'est un document important que je vous conseille. Je ne sais pas où on le trouve. J'ai eu la chance de l'avoir il y a quelques années déjà. Voilà, merci d'être venu dans cette émission. Traditionnellement, nous remettons un cadeau à tous ceux qui acceptent de venir nous rendre. Eh bien, celui-là est déjà voici énorme. Le vôtre. J'espère que vous prenez du café pour quelqu'un. Non, pas de café, du lait chaud. Ah, jamais de café, jamais d'alcool, jamais de cola. On m'a dit que vous ne dormez jamais avant 3 heures du matin. Comment vous faites? Ben, j'ai été comme ça formaté. Je n'arrive plus à dormir avant 3 heures du matin. Je ne dors pas sans avoir lu quelques pages. Ok, ben écoutez, ce sera pour votre lait chaud. Merci. Merci d'être venu. Mesdames, messieurs, merci d'être restés fidèles à cette émission. Rendez-vous dans 15 jours. C'était La Grande Interview. Bonsoir.